Flash 109, la file numérique. Écris sur ton ardoise le nombre qu'indique la flèche sur la file. Alors, la flèche ici est juste avant 67. Allez-y. Là, je vous aide. Je vous dis le nombre qui vient juste après. Écrivez-vous le nombre qui vient juste avant. Bon? Eh oui. 66. Vous avez bien écrit 66 sur votre ardoise? Allez, suivant. Donc, 66, après 67, 68, 69, ça continue. Là. Écris sur ton ardoise le nombre qui indique la flèche sur la file. Bon? Vous corrigez? Oui, c'était 60 qui vient après 59. 58, 59. Ensuite, vous avez 5 dizaines ici. Et 9 unités. Et si on met 10 unités, ça prend 2 cases. Donc on passe à la dizaine supérieure à gauche. Donc on passe à 6 dizaines au lieu de 5. Et 0 unités. 60, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. À vous. C'est bon? Eh oui, juste avant 66, c'est 65. Vous avez bien écrit 65? À vous maintenant. Si ça va trop vite, vous pouvez mettre pause dans la vidéo, le temps que vous puissiez finir. Allez, on corrige. Eh oui. Ici, nous avons 71. On veut juste avant 71, c'est-à-dire 70. Bravo. Après, vous avez 70, vous avez 71, 72, 73. À vous. Suivant. 65, 66, 67, 68, 69. Qu'est-ce qu'on a après? 69. Oui, on a 70, mais qui s'écrit 7 et 0, 70. Pas 6 et 10. Hein. 6 et 10, ça fait 610. Donc c'est 70. 7 et 0. 71, 72, 73, 74, 75. Ensuite, qui vient à la suite. Vous avez écrit le bon nombre qui se situe entre 74 et 76, c'est 75. Ici maintenant, plus grand que 65, mais plus petit juste avant 70, c'est 69. 65, 66, 67, 68, 69, c'était les noms pas trouvés, et après 69, on passe à 70. À vous de bien compter là, de ne pas vous tromper. C'est un petit peu plus difficile. Je ne vous dis rien. Je ne vous aide même pas. Je ne vous dis pas quels sont ces nombres là en rouge et en vert. C'est à vous de trouver. Et vous avez écrit. Eh oui, c'est 70. D'ailleurs, regardez, 65, c'est pile au milieu. 60, 61, 62, 63, 64, 65 en vert. Et pile à la moitié, au milieu, entre 60 et 70, c'est-à-dire au milieu de la dizaine, ça c'est une dizaine, ça, un paquet de 10. Après 65, 66, 67, 68, 69, et le dernier, c'est 70, pour terminer la dizaine. Là, c'est encore 70, juste après 69. Pareil, 7 et 0, ne vous trompez pas. 70, c'est un petit peu difficile. C'est pour ça qu'on fait souvent 70. Là, à vous, est-ce que c'est encore 70? Écrivez, c'est bon. On va voir si c'est 70. Mais non, 77, juste avant le 78. Ah, est-ce que c'est encore 70? Je crois que c'est encore 70. On corrige. Et non, 75, juste après 74. 74, celui qui vient après 75. Et les deux compris entre 73 et 76. Comme ça fait 73, 74, 75, le nombre à trouver pile à la moitié entre 70 et 80. Et 76. Voilà, bonne journée.